Ce n'est jamais évident de perdre sa place au sein d'une famille. Et ô combien je vous comprends. Je vous parle d'une personne que j'ai accompagnée et j'aimerais vous partager un échange que j'ai eu avec elle. Cette personne est la première de la famille. Donc imaginez bien, elle arrive au sein de cette famille, elle obtient tout l'amour de maman et papa en exclusivité ainsi que l'amour des grands-parents. Tout est focus sur elle. C'est génial, non? C'est le paradis, quoi, vous voyez? Sauf que ce paradis va très vite s'effondrer et elle va perdre sa place parce qu'il y aura les frères et sœurs qui vont venir après. Et puis en plus, c'est une grande famille, donc elle va vraiment perdre sa place dans le sens où elle va même être amenée à aider sa maman pour s'occuper de ses frères et ses sœurs. Je ne sais pas, est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette situation-là? Et puis, elle va... Malgré tout, elle va aider sa maman justement à s'occuper de ses frères et ses sœurs dans cet espoir que dans tout ce qu'elle va donner dans cet investissement, sa maman va toujours la considérer comme la préférée, vous voyez. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. La maman vit une situation particulière avec son papa. Elle devient la confidente de sa maman. Et là, bien sûr, tout s'effondre pour elle parce qu'elle change de statut de l'enfant préféré, choyé. Elle perd complètement cette place-là, elle devient l'enfant qui se substitue à tout, l'enfant qui passe après, l'enfant qui s'occupe de tout, l'enfant qui...